travaille le café joyeux, je fais les cafés et je sers pas, mais je fais les plateaux. J'étais un peu angoissée le premier jour, mais là ça va mieux. Joyeux, c'est un concept de café ou de coffee shop qui a pour objectif de proposer de bons produits servis par des personnes qu'on dit qui sont vraies parce qu'elles sont, elles sont avec leurs différences. Toutes ces personnes ont un handicap mental et elles sont contentes de venir travailler ici, de montrer qu'elles sont capables de travailler en milieu ordinaire. Les managers de salle et de cuisine mettent en place des process qui conviennent à nos équipiers joyeux, c'est-à-dire avec une clarté évidente, une adaptabilité en fonction de la fragilité de ces personnes. Il y a un calme, un respect de l'autre, enfin toutes les valeurs évangéliques en fait, qu'on retrouve plus présentes ici. Et le fait qu'il y ait des personnes qui ont un handicap ou des trisomiques, ça apporte beaucoup. Là, on est en train de préparer les sandwichs. Elle est en train de préparer les sandwichs de courgettes. Ça, c'est le sandwich de chou, mais il n'est pas encore fini, en fait. Ça qui me plaît d'ici, c'est écouter les consignes de ma chef de cuisine et de bien appliquer et continuer à faire de la cuisine encore. D'emmener mon enfant dans un café comme ça, oui, je trouve que c'est une bonne idée. Ça lui montre la diversité de la population, la diversité des gens, qu'il y a des gens qui sont grands, petits, noirs, blancs, qui peuvent avoir un handicap. C'est la vie, quoi. Ben moi, je trouve que c'est très bien. On est un très bon accueil. Les personnes en situation de handicap, ils sont là, elles font tout leur possible, on le voit bien, pour travailler, pour satisfaire le client. Moi, je trouve que c'est très bien. Et comme je suis moi-même maman d'une adulte autiste, bien entendu, ça fait tout de suite tilt. On pense qu'on est capable, en équipe, chacun à sa place, d'apporter un service de qualité avec nos différences. C'est plus une question d'organisation qu'une question de performance individuelle. Au revoir.